Et salut tout le monde, c'est bienvenue sur le cinquième épisode de la série sur Skullshaders, t'as un commémoration, du coup j'ai repris les deux séries. Donc du coup je suis en train d'imposer un lézard épineux, voilà. J'avais tué un autre qui était niveau 20 parce qu'il s'apprenait à mon raptor, malheureusement. À niveau 20 c'est quand même beaucoup quoi, donc je suis un peu déçu quoi. Oh non. Oh non, s'ils font du bruit c'est pas rassurant. Non mon petit, ne fais pas de bruit s'il te plaît. Me dis pas qu'il y a une tempête qui se ramène là. Pitié, non. Oh non. Bon bah il y a une tempête. Ah, pitié, dites-moi que c'est vraiment une tempête électrique. Eh, vous avez, il est magnifique, hein. Il est très beau. C'est électrique. Oh putain, heureusement. La tempête électrique fait en sorte que tout ce qui est appareil et autres, de type éolienne, enfin, tout ce qui est énergie ne marche plus. Ça va pas non plus dire que je vais vous faire des orages, ça peut vous rassurer. Enfin, je crois. Après, je ne sais pas si c'est le cas ou non. J'espère pas, parce que putain, si c'est ça, on est un petit peu mal barré. Bon, venez la bouffe, toute la bouffe. Vas-y, bouffe tout, petit pépère. Que deux niveaux en plus? Putain, j'aurais vraiment dû prendre le niveau 20. Attends, quoi? Ah putain, j'ai peur. Ah, il bouffe peut-être un peu trop vite, lui. Pas rassurant. Du tout. Bon, va vraiment falloir que... fasse une mipsa. Là, c'est pas possible. Avec ça, pendant longtemps, il m'y a apprivoisé, lui. Voilà, re les amis, donc du coup la créature est presque apprivoisée, c'était archi long. Je vous le fais pas dire, c'était long, il est 22h15. Je vous jure, c'était long de chez long. Bon après on s'est pas fait attaquer. Mais bon, heureusement qu'il y avait un insecte à Jardo parce que là, j'allais un peu mourir de soif, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vu que la barre de hydratation descend très rapidement, au moins il gagnera ses deux niveaux supplémentaires comme c'était marqué. Et donc ça c'est bien. Voilà. Eh ben il m'a fait peur là. Je vous jure. Il m'a fait peur le mec. Le mec. Oui, c'est un mec. Eh bien, tu es bien. Tu veux comment il mange lui? C'est bien, t'as des gros yeux. Bon, arrête. Je vais rater, connerie. Très proche. Juste regardez ses yeux, quoi. On n'a pas envie de le caresser au niveau du. Bon, on a compris, quoi. Et lui, il n'a pas arrêté de me gêner à chaque fois. Je vous jure. S'il fallait pour les buter, si c'était pas à 3, ça aurait été plus simple. Mais je le remercie quand même d'avoir tué les raptors qui étaient à côté. Voilà, admirer la bête. Non mais regardez-moi ça quoi. Il dirait limite un mutant, je vous jure. C'est bizarre. Hein. Bon. Mais ma note, hein. Regarde. Ouais, touche. Bon, on va aller à la maison du coup. Bon. Allons-y, c'est juste là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le raptor, enfin, le parasortec, pardon. Pardon, j'ai pas dit des raptors. Bon, j'ai pas croisé de tech en tout cas. Hein. Pour l'instant. Donc, perforateur, vous avez manqué, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu perforateur, hein. Et voilà. Donc, voilà, le parasortec, comme je vous l'avais dit, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est rose, rouge et vert. Et gris aussi, normal. Bon, bah du coup on a ramené du coup le pépère. Hein. Hein. Comme vous avez peut-être pu le voir au combat, il est quand même assez efficace. Mais malheureusement, il est plus lent que le raptor. Donc le mieux ce serait d'avoir une meuf de raptor. Plus eux qui font quand même de gros dégâts. Les arapignées font beaucoup de dégâts au moins. Mais ils sont pas très rapides, malheureusement. Toujours un truc comme ça, quoi. C'est un peu de la tête.
Voilà, tel niveau. Vous deux, ça va, hein? Un karma et l'autre là. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu, bordel. J'ai limite, j'avais tout oublié quoi, tout ça. Ah tiens, le petit niveau de la fin. Hein. Vie. 28. Vous savez ce que ça veut dire? Non, en fait, non, je sais même pas en fait. La tenue du désert, enfin! Oh! Ah, Dieu soit loué! Enfin la tenue du désert, bordel! Donc voilà. On va se quitter sur la tenue du désert, je suppose, qu'on va la fabriquer. Avec la soie que j'avais gardée. Je suis même pas sûr d'avoir assez d'ailleurs. Attendez. Oh non, c'est vrai. Ça se fait dans l'atelier. Et bah voilà, je suis foutu. Désolé, c'est comme ça. Malheureusement, je ne peux pas la fabriquer parce que c'est dans l'atelier. Et l'atelier, bah je l'ai pas. Voilà. Bon, moi j'ai un Dinotech. Hein. Je pense avoir les autres sur le Quetzal, il n'y a pas. Hein. L'autre chose que je pourrais les avoir quand même. Stego. J'ai pas vu de Stego en fait. Je sais pas s'il y a des stégos. Qu'il y a, hein. Mais bon. Voilà. Ces deux-là, je m'en serai jamais. Hein. Bon, du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo-là vous a plu à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.